زدم میزنم میاده تو چشکی نزدم تو کار خود خرکن تندور اونجا یخ شد و کار خود نخواد درست برست که تندور یخ شد میزنم دیان مردک تا که چیم درا بیشیم که دوزمو چای میرم ایده تو چیز نانه که میزنم دیگه تو چیز غرز داری چپه خرکن تو چیز کار داری از من که نام زدم یا نزدم تو کی نه نان مکنی نه دیگ مکنی اون منتر دیو زده که یک نان نمیتنی؟ دیو تو رزدم اطرافا تو یک نان نمیتنی؟ میلی یا نه شندگاگ شندگاگ و آشیمه شندگاگ که توی ما که نیش جان مشاش دختر که دارم نروری مو خورم که دخترم بازا یک خاتون دیگه دبلیتو نروردم نینگرم یه نگا وردگا ما وردی مرد مگم نه نه میرد ما دیمی دستو میشین گوچه نباشه دست شش دختر است دست سر تو دیگه اول اگه ماره که بله از تو ورد نروری تو شش دختر دست سر تو دیش نیش جان شش دختر هستم نیش جان شنا گلا داره گلا آره گلا نگاو نگاو کور شده اونم نانمو که نه رفتنی موشنمو نا رو خاتو میره ید نم کن کنمو که دست خاتو میره آره باسه میگرم تو نکه اگر بی نه یک نون پختنه میتونه قرچه سر قد کلیم کن تو اگر خوب بوده اید او اولاد مکنی ید نم کنم نان شرم که او دشان خو مردک شده رسته بگرم مور سر زیمی از خانه خبر نداره ای دشان خو کچه کلویا خاندو میشنه رسته بگرم تانه چی نیکنه just as a sample of Afghanistan in the bigger space.
And the green fairy, the women in green, that was not for me. That was not the magic part or something separated completely from the reality of people. People in Central Afghanistan, they believe in a lot of creatures, a lot of supernatural beings. They believe on so many things that Kashmir Wolf and the woman in green is one of them. And for me, it was just as real as the other parts of the film. And yes, the film was trying to talk about everyday life and routine, but at the same time, talk about the stories that people we are talking about it, and you know, about the stories that they make, the stories that they make up to explain the complicated world and to complicated things around them that they don't know. They make these stories to give an answer to themselves, to convince themselves that to understand things that they are not really clear for them. And yes, that was just a part of reality. Yes, that was also about the being unity. Well, I think living in Central Afghanistan for me as a kid, it's learned me a lot of things, and one of them was like people, you know, there are like a very big conflict in Afghanistan because we have different ethnicities living here, and there was always conflict about ethnicity and about religion and about a lot of things. But when you study people through the everyday life, you just see that people are just so similar to each other. It doesn't matter if they live in Central Afghanistan or if they live in North or East or West or any other parts of Afghanistan. People have the same dream. People have the same hard life. People have, you know, everything is so common, but people are so far from each other. And yes, and what I can say about unity, you know, that when there is no unity actually, and it's so sad because people are so far from each other. But actually, in the real life, they are suffering from the same thing. This war is really influencing their life, and they are suffering, they are in pain from the same problem, but they are so far, there is no solution actually. They cannot find a solution for the problems. Oui, ils sont aussi loin des iPhones que des Nokia, ils sont loin de tout. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas des gens qui n'existent pas, ils se retrouvent. Ça, j'ai essayé vraiment de représenter le village dans lequel moi-même j'ai vécu pendant 7 ans en Afghanistan, où ils sont dans ce mode de village. J'ai voulu aussi représenter quelque chose qui soit représentatif de l'Afghanistan tout entier, ou de l'Afghanistan rural en tout cas, et de la vie qui a été celle d'individus comme cela pendant toute cette période. Et pour ce qui est de cette figure de femme dont vous parlez, en fait, il ne s'agit pas comme ça d'un élément fantasmagorique que moi j'aurais greffé sur mon histoire. Il s'agit que ce soit le lion du Cachemire ou que ce soit cette figure de la femme en vert, des croyances, de l'imaginaire collectif afghan, là aussi, parce qu'il y a des mystères dans la vie de ces personnes, et il y a une tradition de contes et de légendes et de figures qui font partie de la culture, de ce que ces personnes se transmettent de génération en génération pour essayer de percer un peu ou dire un peu ces mystères-là, et la figure de cette femme en fait partie. Donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est quelque chose qui fait aussi partie de la réalité que j'ai vécue et que j'ai voulu décrire dans ce film. Et pour la solidarité, je ne sais pas vraiment comment expliquer cette absence de solidarité. C'est quelque chose que j'ai observé. Il se trouve que c'est un pays où il y a des ethnies différentes, des langues différentes et des conflits qui ont toujours essaimé l'histoire de l'Afghanistan, mais ces conflits sont de tout ordre. Et pourtant, quand on vit avec eux, quand on se promène, on voit qu'entre l'Afghanistan que je décris ici, qui est plutôt central, et puis les peuples du Nord ou du Sud, les conflits sont les mêmes, les douleurs sont les mêmes. Donc que ce soit leurs difficultés, que leurs plaisirs, leurs soucis, leurs réflexions, ce sont les mêmes. Donc j'ai été frappée par cette similarité de leur vie quotidienne,
mais aussi de cette finalement séparation profonde qu'on ressent entre les êtres. Sans doute parce qu'ils ont été marqués par ces conflits et ces différends qui les ont accompagnés toute leur vie durant. Il y a une espèce d'isolement et de séparation qui est là et qui donc, se reflète forcément dans ce que j'ai à dire moi ici dans les quotidiens. Je voulais vous demander, est-ce que c'est considéré comme un film documentaire, puisque j'imagine que ce sont des vrais habitants, ce ne sont pas des acteurs. Is it possible to say it's a documentary? Because I guess there are no professional actors and they're just local people. I don't really see any border between the fiction and documentary, as I came from cinema verite, where the filmmaker should be completely loyal to the reality and to the tools of people and life. I don't really mind. I mean, as soon as we are telling a story in a good way, it can reach the people in a better way, that they understand the story. I don't mind it. For me, I don't know how I can say it's a fiction or documentary. It's a lot of documentary elements, but at the same time, it's a lot of it's a fiction film, you know. And I don't know that much about it. Puisque moi je me considère attaché à une pratique cinématographique et le cinéma vérité, je ne fais pas de distinction entre le documentaire et la fiction. Il est certes évident que nous racontons une histoire et pourtant il y a beaucoup d'éléments documentaires, donc ce n'est pas vraiment ma problématique, c'est de savoir si on considère ça comme un documentaire ou une fiction, il y a des deux. Là aussi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Et pourtant, les enfants sont les mêmes. Ils s'y volent, ils racontent des histoires, mais ils exagèrent. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait de l'espoir dans tout ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? So I also noticed that. I also noticed that there's no electricity, there are no iPhones, there are none of the things that the kids have here, but still the kids are all the same. They're exactly just as the kids we know, and they lie and they exaggerate and they're mischievous. So does it mean that there's a ray of hope for you? That maybe also that's what you say here, that there's still hope to be left. Yes, because we are all human beings. It doesn't matter. It doesn't matter if we live in somewhere in Central Afghanistan or if we live in Paris or in America or any other places. We are all human beings, and it was very important to talk about the story about Afghanistan and show Afghanistan just as a country like every other countries like other countries, you know, like we are talking about the human, about the life, about the natural emotions, senses, like about all these things that it's actually in common between everyone. And yes, and I didn't want that the war and all these political issues they influence these characters because it doesn't matter. That's only the situation that they live in, but in reality, they are just normal people. wasn't born in somewhere else, but yeah. En effet, oui, vous avez raison, nous sommes tous humains et c'est de ce dont il s'agit ici, peu importe que l'on vive en Afghanistan, en Europe, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, nous sommes animés par les mêmes sensations, les mêmes affections et nous vivons au fond la même vie. Donc c'était pour moi aussi important de traiter de cette question-là, d'essayer vraiment autant que possible de traiter de la nature humaine en dehors des circonstances qui sont les leurs. Donc elles sont là, évidemment ce sont des gens qui vivent la guerre, mais ce dont il s'agit, c'est de voir en quoi ils sont humains comme vous et moi. Is that just a short question? Towards whom is directed the film? Did you write for people in Europe, people in Afghanistan? Has it been shown in Afghanistan?
And what was the reaction of the people in Afghanistan? La question, est-ce que le film était vis-à-vis vers les gens en Afghanistan pour l'audience en Afghanistan, en Europe, et quelle est la réaction en Afghanistan vis-à-vis de ce film? First, we don't have any cinema in Afghanistan. We have seven left from 80s, the golden time for everything, including cinema. But now they are car parking. So I cannot show a film in car parking, as you know. And no, unfortunately, there is no real places for a screening of film in Afghanistan. And that's very sad, because it's very important for me, Afghan audience, to watch the film. It's very important for my people to see a picture. A picture from themselves in the big screen, you know, but there is no, maybe French Institute or Goethe Institute or U.S. University, just a small place that they can screen the film, but in a huge places, or no, it's just a, well, that's, at least I can dream about it one day. That's my dream, showing the film in Afghanistan. Television, you have to pay television to show your film. So I don't have that money to pay television. J'aurais bien aimé pouvoir vous rapporter la réaction du public afghan. Or, il n'y a pas de cinéma en Afghanistan. Il reste bien quelques salles des plages d'or des années 80 où il y avait tout, y compris des salles. Ces salles-là, aujourd'hui, ont été transformées en parking. Et j'aurais bien du mal à montrer mon film dans un parking. Et à la télévision, il faudrait payer pour qu'on montre votre film. Ça, ce sont des moyens que je n'ai pas. Donc voilà, si tant est qu'on puisse voir ce film quelque part en Afghanistan, ça serait à l'ambassade américaine, à l'Institut français ou à l'Institut Goethe. Mais moi, personnellement, je rêverais de pouvoir montrer mon film et surtout que mon peuple puisse voir une image de sa réalité portée à l'écran, mais ce n'est pas encore chose faite. Une dernière question. Oui, le casque. Non, c'est, on vous donne le micro et vous parlez quand vous avez dit. Alors, le premier qui va aller voir, bonjour. Le casting, comment avez-vous fait le casting, s'il vous plaît? Ce sont des acteurs professionnels? Merci. Professionnels, non. Non. They even didn't have a TV. I mean, that was the. Well, I did. Let me tell you from the beginning. I did a casting for almost 2 years. And I casted more than 2,000 kids, and I only did the picture, I only took the picture from them, and I didn't do any video because I knew that as soon as I record something, it looks so bad, and my judgment will be based on the video, and that's not true, that's not their character. So I started to make a short list of the kids with the faces that I like, and then I made a short list out of that short list, and I came up with these kids. And I had to convince the parents that the parents let me bring them to Tajikistan, took them to Tajikistan. So I had to also call some of the parents as an adult person. So they are kind of family relatives in the film, all the 38 people that you see. And yes, and what else did you also ask? That was it. Yeah, no, they it was the first time that they. It was the first time for them that they were in front of the camera, and they have no clue, they have no idea what I'm doing with them. Me. Non, ce ne sont pas des professionnels du cinéma, ils connaissent le cinéma et la télévision, mais en fait, moi, ça a été un processus assez long. J'ai fait un casting qui a duré 2 ans, pendant lequel j'ai photographié à peu près 2000 enfants. Et si je me contentais de les photographier, c'est parce que je me rendais compte que vouloir les filmer était un peu trop ambitieux dans la mesure où j'aurais toujours été insatisfaite de ce qu'ils avaient à offrir face à une caméra. Donc j'ai commencé juste à recueillir des visages et à éliminer déjà beaucoup d'enfants et à arriver à une liste de plus en plus restreinte pour finalement ne faire des essais vidéo qu'avec les enfants dont j'étais à peu près sûre qu'ils m'intéresseraient. Et une fois que je l'ai fait, cette liste s'est réduite jusqu'à ce que je trouve ces visages-là, ces enfants-là. Et une fois qu'ils étaient choisis, j'ai contacté leur famille et il fallait à la fois
le consentement des familles pour que les enfants puissent venir participer au film, mais aussi souvent ces parents eux-mêmes qui viennent jouer le rôle des parents et de l'entourage de ces enfants. Et c'est donc comme ça que j'ai recueilli cette liste de 38, cette distribution de 38 personnes que vous voyez à l'écran. Merci, Shahrbanoo Sadat.